Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode en compagnie d'Ores, moi-même. Alors, quoi au programme? Nous allons nous faire l'arène de Doublonville en compagnie de notre cher machoc nommé Muscle, que j'aurais bien aimé appeler Alain pour Alain Soral, car bon, voilà, Alain Soral est une personne qui met des baffes et machoc aussi. Du coup, j'estimais que ça correspondait plutôt bien. Mais avant tout, nous allons rename comment s'appelle-t-il? Notre soporifique, que nous avons appelé Jean-Marie, mais qui en réalité est une femelle. Alors, par respect pour les femelles et Jean-Marie, nous allons l'appeler Marine, car ça peut correspondre assez bien. Alors ça, c'est les vélos, c'est pas du tout le renommeur de nom, qui me semble les plus en haut. Petite erreur de ma part. Excusez-moi, pardon. Ah, c'est ici, il me semble, c'est ici. Bonjour. Oui, on sait. Enfin, on sait. Oui. Ah oui, tenez votre avis sur mes noms. Alors, Jean-Marie, vous en pensez quoi de Jean-Marie? Un nom, ma foi, correct. Bah, faudra lui dire. Ah bah oui, il y a un nom plus de pêche, tout à fait. Et on va le nommer Marine. Hop. Bon, c'est un peu une solution de facilité, hein. Peut-être qu'une. Un meilleur nom aurait été possible. Ah, merci. Je viens de me faire féliciter comme ça, sans raison. Ça fait toujours plaisir. Ah, et donc, Muscle. Muscle, tu vas détruire les Pokémon de cette arène. Allons-y. Elle est là. Incroyable! Le Togepi sort de son œuf. Alors, ah, zut, un surnom. Bon, j'ai une idée, mais il me fait un peu penser à Benoît Hamon, avec un air un petit peu innocent et surtout inattendu, parce que j'en ai pas, parce que l'œuf éclos maintenant et j'ai un peu cogité le temps de l'éclosion pour trouver un nom. Ce sera Benoît, peut-être qu'il y a mieux, mais Benoît, ce sera. Benoît, bienvenue l'équipe. Et là, on va taper les Pokémon de type normaux. Là, il y a un dresseur. Bon. Notre muscle est niveau 12. Je pense qu'on va faire les combats sur la route. Quitte à prendre un petit peu de temps. Ah, bah c'est gentil. Enchanté, madame. Très jolie couleur bleue dans vos cheveux. Si je puis me permettre. Avec des Pokémon à grosse queue. Bon. Donc il a que balayage. Allons-y, balayage, vas-y. Bon, niveau 9, niveau 12, faiblesse de type, ça devrait aller. Pour l'instant, pas un souci. Ah oui, c'est vrai qu'il est échangé, donc le petit bonus d'XP qui fait plaisir. Ah bah non, on va continuer avec XP muscle. Muscle, il faut que tu nous détruis ce donjon. Que tu nous détruis cette arène. Vieux attaque, trop malin que t'as vu attaque. C'est rigolo, hein. Tiens. Ouf. Oh. La violence. C'est le level up. Oh, le point karaté. Oh. Oh là là, ça va pleurer dans les chaumières. Oh non, non, la fouinette, elle va goûter du point karaté. Ah, niveau 17 quand même. Niveau 17, mais le point karaté aura quand même raison d'être, j'ai confiance. Vas-y, muscle, vas-y, nettoie-moi ça. Ok, après ce combat, il faut que je regarde la différence entre point karaté et balayage. Car je n'ai aucune idée, il me semble que balayage a un effet supplémentaire. Contrairement à point karaté. Ah, muscle niveau 14. Ah, il y a plus d'attaque, muscle, vas-y. C'est dégoûtant. Alors, c'est dégoûtant. Enfin, je trouve il y a un aspect dégoûtant dans cette phrase. Oups, c'est. Enfin, non, c'est moi, allez, c'est moi. Est-ce que je peux pas. Je peux pas lire à part mes compétences? Non? Pas lire mes compétences. Ah non, je peux pas lire mes compétences. C'est bien dommage. Bon, je suppose que. Ben, on je regarderai après, hein, tant pis. On peut-être soigner un coup notre cher ami muscle. Et je me trompe à chaque fois, c'est pas ici, c'est là-dedans.
Allez, tiens. Bon, tu t'appelles Muscle, mais sache que dans mon cœur, tu es Alain. Voilà. C'est dit. Allez, fais-moi XP Muscle. Fais de ton mieux où je devrais. Oui. Mais oui, c'est clair. Toujours des canons couchés de manière très posée, en somme, dans cette arène. Je pense. Ah, ça m'énerve, je ne sais pas quel est le. Je ne sais pas quelle est la différence. Une pluie de pièces. Ah, c'est Miaouss, le célèbre Miaouss. Pokémon bien connu pour être utilisé par les gens crapuleux. C'est là qui je pense. La Team Rocket. Ah, il a pas... Oh, il a pas up. Il a pas up. Mais quelle est cette plaisanterie? Il n'a pas up. Allons. Tant pis. Il le prend encore mieux plus tard. Mais cela échoue. Ah, c'est dommage, hein? Ah, c'est dommage. Excuse-moi, je suis en train de regarder en même temps rapidement que fait balayage, parce que ça m'intrigue beaucoup. Ça m'intrigue beaucoup, je ne peux pas taper balayage sans Pokémon. Du coup, je trouve des photos de cheveux, je suis très content. Je regarde ça sur mon téléphone pour ne pas vous gêner. Rien perdu. Non, Miaouss, je suis désolé. Ouais, pas moi, hein. C'est ça de se mettre en travers de ma route. Vous allez voir, je vais vous montrer. Muscle, il va tous vous défoncer. Et tous. Parfait. Ah, il faut savoir que je ne suis pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ah, mais non, mais non, mais. D'accord, alors balayage. Ah, oui, d'accord. D'accord, c'est bon, j'ai vérifié. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ce qui était mon cas, balayage, ça avait une chance d'apeurer l'ennemi, ce qu'on va tester là. Non, je pense que ce bull il joue avant moi, du coup ça va me tester. Je vais faire des points karaté. Ah oui, je vois, oui. Donc du coup ça avait une chance de, paralyser, d'apeurer l'ennemi. Et ça avait une précision de 90%. Donc c'était une attaque. Une attaque moyenne. C'était 52 dégâts aussi. Point karaté, il me semble que c'est 52 dégâts aussi. J'espère. C'est un peu embêtant. Et donc ça c'est dans la première génération naturellement, l'effet donc que je vous ai écrit. Mais dans la seconde génération, c'est différent. Dans la seconde, à partir de la troisième, du coup, ce que je vous ai dit c'est première seconde. Mais vas-y, mais tape-le! Tue-le! Si vous voulez, à partir de la troisième, c'est différent. Et c'est en fonction du poids de votre Pokémon. Donc c'est vachement intéressant ça. Moi je trouve ça vachement intéressant. Ouais, point karaté, c'est du 50 avec 100 de précision. Donc clairement, on fera balayage si jamais la bestiole joue après nous. Oui, tout le monde croit ça au premier abord, mais je ne suis pas trop... Enfin, je sais pas, c'est pas à moi d'en juger a priori. Mais je ne me considère pas comme un minus. Ah, je viens de me tromper de bouton avec ma manette et j'ai un petit peu accéléré. Ah zut! Bon, normalement ça va être vraiment mineur. Mais j'espère que ça va pas être un problème pour le timer. Je ne pense pas. Ah voilà, encore de l'XP. Et bien par là. Oui, il est Pokémon mignon. Oui. Un multifonction, voyez-vous ça? Et bah, on va voir, hein. On va voir. Ok, donc c'est pas celui-là. Bon, d'où c'est pas vraiment l'archétype de Pokémon multifonction. Ah, j'aurais pu faire balayage. Je pensais qu'il allait jouer avant moi, mais effectivement. Bon, au final, ça change pas grand-chose, vous me direz. Ça change pas grand-chose. Ah, encore une fois, muscle quasiment sur le point d'up, mais pas encore.
On est content. Là, on va faire un balayage. On va faire un balayage. Et c'est vrai, ça ne le met pas KO d'un coup. Dommage. Mais bien sûr qu'il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence. Je t'ai dit peut-être que ce Pokémon-ci a plus de défense que l'autre, mais non. C'était vrai que non. On a encore des rondoudous par milliard. Ah, peut-être que là, on a la différence. Est-ce qu'il les KO d'un coup? Bon. Je me tais. J'ai strictement rien dit. Ah, les muscles vont au niveau 18. Ça, c'est bien. Muscle veut pas un dégât ce combat-ci. Il a moins de tous les ronds doudous. Il gère un petit peu. Hein. Allez, à nous deux. Bonjour Blanche. Oui. Ils sont super, super mignons. Ça te dirait de bastonner? Pardon. Je suis très forte. Bon. Alors, madame, oui, j'aime bien me bastonner, mais bon, du calme. Hein. Faut pas user certains mots, quand même. Mais il le fait. Bon, Muscle, je compte sur toi. Est-ce que Muscle a la vitesse? On va dire que oui. Oh, il l'a. Tadadam. Oh. Il a la trouille. Et oui, voilà, vous avez dit, il a la trouille, c'est génial. Un petit bon karaté pour finir. Ah bon. Tant pis, ce n'est pas un problème. Oula, qu'est-ce que c'est que cette... d'accord. Oh, la grosse vache. Avec un peu de chance, on a la vitesse, mais j'en doute un petit peu. On n'a pas la vitesse. Écrasement. Oh. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il avait un objet qu'on voulait échanger. Oh, c'est génial. On continue. Vas-y, Muscle. Roulade. Non, Muscle. Oui. Il a fucked up. Il a fait une erreur, il a pas fait attaque qui défonce tout. Et là, coup critique. Oh, et là, ce que je... J'enverrai pas Togepi, alias Benoît. Il a fait une roulade qui a... Non, c'est trop dangereux. Me fais pas rire, hein, me fais pas rire. C'est pas très efficace, effectivement. Et là, le point karaté, et c'est fini. J'ai eu peur, quand j'ai vu le premier écrasement, j'ai eu peur. Mais au final, c'était vraiment... Nul. Et Muscle qui prend des niveaux. Muscle, faut pas trop faire XP parce qu'il est échangé. Oh. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, mais Muscle, là, il se met bien. Alors, gros yeux, hein, gros yeux. Baisser des stats, on s'en fout. Nous, on est des gros bourrins, on veut que des attaques pour taper. Ou pour taper plus fort. Ah, le seul que gros yeux divise la défense, du coup, je suis très con de ce que je viens de dire. Du coup, gros yeux aiderait à taper plus fort. Mais bon, frappe Atlas, quoi. Frappe Atlas. Oui. Mais putain, mais du calme. Easy. Ah, bon. Bonjour. Ah oui, le badge, j'ai pris le badge. Oh, j'allais me barrer sans le badge. Oh. je vais partir sur le badge. Et oui, on est crémeux, hein. Qu'est-ce qui lui est arrivé, les crémeux? Il s'est fait défoncer. Défoncer. Facile. C'était 45. Qu'est-ce que c'est que ça? Attraction. Nul. Pas de dégâts, nul. Oui, j'ai mon petit caractère, hein. Très mauvaise perdante. Ok, donc Muscle, tu vas te mettre... Qu'est-ce qu'on va XP maintenant? Faut XP Sarko, faut que Sarko, que Sarko level up. Je ne sais même pas de son évolution. Comment est-ce qu'on sort? C'est pas là, j'en suis sûr que c'est pas là. Pardon. On se casse, c'est facile. Il faut monter Benoît, faut monter tant de Pokémon, c'est infâme. Ah, j'ai déjà tellement de retard en plus.
Et j'ai déjà tellement de retard. Oh, la sauvegarde! Non! Parfait. 2h44. Je load dans ma tête. Et on voit la petite madame qui est en train de... Ok, 2h44. 2h44, on s'en souvient. Et le centre Pokémon est en bas. Ici. Non, en bas, en bas. Pas du tout. Pas du tout. Oui. Je suis là pour ça, a priori. Je veux ces Pokémon. Donc du coup, là, on doit aller où? Ouais, je pense qu'on va monter jusqu'à... Je ne me souviens pas du nom de cette arène. Mais c'est l'arène qui est en haut. Enfin, l'arène, le village qui est en haut. Roselia, il me semble. Et on va aller sauvegarder, comme d'habitude, vous habituez maintenant, hein, devant... Devant le... Oh, bonjour vous. Allez! Tu vas à l'arène, moi aussi. Ah bon, je pense que ton... Ta route s'arrête ici. Kim Picnic. Goopix. Ah, oh, Goopix! Et j'ai le Karcher en première position. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on a un Pokémon feu et que son adversaire a un Pokémon eau. Ah, il m'a quand même mis un petit peu cher. Mais Sarkozy va encore une fois faire la différence. Allez, coup critique, tu ne one-shot pas, c'est un peu décevant. Hein. Il serait temps que tu up, petit coco. Je sais pas quand est-ce que tu up, c'est 17, 18, 19, 20, mais... Il va falloir que tu up, hein. Parce que là... Oui, clairement, avec un Goopix niveau 15, ça me paraît plutôt compromis. Allez, on continue à XP un petit peu. Bon, c'est peut-être pas très intéressant. Oh, ça y est, c'est... Regardez-le, il essaie de fanfaronner. Je vais essayer de montrer à ma copine que je suis un dur. André le campeur qui veut faire ses preuves. Avec sa sabelette de type sol. Si je ne m'abuse donc. Sarko qui va la défonce. Lâche pam. Le Karcher. Encore une fois. Et oui. Et ça ne mojote pas, c'est nul. Griffe. Bon ça va, Sarkozy, il tank. Il tank. Il tank des attaques de Pokémon qui ont 2 niveaux de moins que lui. 3 niveaux de moins que lui, que dis-je. Mais il tank. Oh! Et là, attention. Hortefeu. Tous les espoirs se convergent sur toi. Car là, tu as ton attaque éclair. Tu vas défoncer ce Maril. Je suis un petit peu déçu. Alors, très intéressant de faire des boules armure contre des attaques spéciales, mais je ne pense pas que ça fonctionne très bien. Oh, il est paralysé en plus, oh là là. Hortefeu, tout nouveau du rêve, par paquet. Roulade. Hortefeu. Hortefeu, tu ne méritais pas ça, tu avais tout bien fait. Bon, tu as le type pour toi un petit peu, mais... Ah, tu ne m'aimes pas, mais qu'est-ce que c'est que ces Pokémon qui ne donnent pas d'XP? Alors non, ça va. La vie ne se passe pas comme ça. Les gens ne perdent pas pour te faire plaisir. Si tu te mets à League of Legends un jour... Oh là là, Savage. Oh, et je pense ce que ça fait quand on fait le coin dans d'autres sens. Est-ce que ça fait l'inverse? Oh merde. Oh zut. Oh zut. Qu'est-ce qu'on a de résistant à l'électricité? On n'a rien de résistant à l'électricité. Au contraire, on a faible, faible. Ouais, muscle. Vas-y, muscle. Défonce-le. Lui, il va manger de la ferme Atlas. Je vous le dis. Ah bon? Eh ben, on s'en fout. Ah non, c'est bien compliqué. Muscle, tu as l'œil du lynx, tu le défonces. Muscle. Muscle, tu le défonces. Tu le défonces. Muscle, c'est la fois que je le dis, tu le défonces.
Muscle. Je te regarde là, je te regarde. Tu as intérêt à le défoncer ce Pikachu. Ah, bah voilà! Ah, c'est hyper décevant. Ouais, peut-être que Framatlas a une particularité que je ne connais pas. Bon, le nom a de la classe, mais. Voilà, quand on est bête comme moi et qu'on ne regarde pas, qu'on ne connaît pas les effets, on fait des compétences qui ne sont pas adaptées. Ah, ça rookie up. Ah, Musk qui prend toujours beaucoup trop d'XP. Oh, t'es fort. Est-ce qu'il va pardonner à son copain? Oh, et toi, ça va, Savage? Ah oui, là, c'est la honte, c'est la honte. C'est totalement la honte. Il y a quelques secondes, j'ai entendu un bruit qui n'était pas voulu. Donc je l'ai coupé de suite. Allons-y. Je pensais tout avoir coupé, mais non. Notification quelconque continue à m'ennuyer. Qu'est-ce que c'est que ce Topicœur niveau 10? Mais. Non! Non! J'ai cliqué trop vite. Cliqué trop vite. Ah oui! Ah oui, bon, c'est niveau. Oui, j'avoue que les 7 niveaux de différence font un petit peu le taf. Je m'attendais pas à ce que cette griffe fasse autant de dégâts. Mais c'est vrai que c'est normal. C'est normal. Mais après, encore une fois, je le répète, comme j'avais dit précédemment, Caïmenus et la Sarkozy a plus d'attaque que de défense. A plus d'attaque que d'attaque spéciale. Du coup, au final, notre. Nosferalti, Hortefeux, tu le fumes. Du coup, notre griffe scale mieux que notre. Merde. Notre pistolet à eau. Mais bon, avec un peu de chance, on récupérera un. Avec un peu de chance. Mon coloc est en train de me faire des signes pour faire comprendre quelque chose, mais. Bon, en gros, c'est juste que le truc que t'avais mis à chauffer, il est chaud. Ah? La bouillotte, la bouilloire. Ah, mais c'est pas grave, je. Je sais même plus que, je sais même pourquoi j'ai mis à chauffer, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc on continue. Hortefeux, ah up. Bon, lui, c'était un petit peu un touriste. Hein. Ah, c'est totalement un touriste. C'est le Topicœur à son Nosferalti. On sait pas où il va, on sait pas ce qu'il fait, mais. En tout cas, il le fait pas bien. Sarko, si tu pouvais. Non, tu vas pas up sur ce combat, hein. 14 contre 17. Attends, tu le matchotes même pas, mais Sarko, tu me déçois. Tu me déçois. Oh! Oh, j'ai eu peur. En pleurs, c'est vraiment l'attaque qui m'a traumatisé dans mon enfance. Je peux caler le maximum, c'est ampleur 10 ou ampleur 8. Mais en tout cas, ça peut faire tellement mal. On ne bouge plus. Regardez-le. Regardez-le, Hortefeux. Comme il est beau. Oh, comme il est rose, comme il est beau. Hortefeux dans mes bras. D'ailleurs, je suis impressionné. Hortefeux, niveau 15, il évolue. Sarko, niveau 17, on voit pas encore. Hein. Après, Sarko, c'est pas le même. C'est pas le même. Le même Kaba? Non. Pas le même Kaba, le même. Gabarit. Oh! Bon, allez, faut XP. Oh, il crache du feu! Oh, il crache du feu! Il l'a dit lui-même, il crache du feu. On va le défoncer. Bimbo crache feu. Magmar! Oh, c'est impressionnant! Magmar niveau 11, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est super impressionnant comme Pokémon, mais niveau 11, c'est nul! Mais qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Ah, et ça tank! Ah oui, ah oui! Ça recotait de typo, hein, tu te. Ah, c'est bon. Ouais, c'est surprenant quand même. Moi, je m'attendais pas forcément à.
Déjà un magmar. Bon, une petite Pokéball là, d'un du tout pour capturer le magmar. Franchement, regardez-le. On voit bien qu'il est en train de demander ça, de demander de le capturer. Non, c'est interdit, hein. Surtout le vote de Pokémon est interdit, ne faites pas ça chez vous. Le vote de Pokémon est strictement interdit. Sarko, niveau 18 cheveux, toi. Super. Pas attaque, la première attaque, non? Tu me déçois beaucoup. Ah, encore? Ah, c'est l'équipe des Magmar. Niveau 11 et niveau 13. Ah, plus de challenge. Non, Magmar, vu sa gueule, je pense que. Plus d'attaque que d'attaque spéciale, peut-être, non? Ouais, non, pas j'en sais rien du tout. Bon, Kaiminus, j'aimerais vraiment que tu mettes KO ce Pokémon sans être KO. Sinon, je vais être très très énervé, très rouge, très colère. Là, tu vas. Mais tu brûles vraiment. Crache-toi dessus, je sais pas, fais un truc. Passe de Karcher sur toi. Bon, on va éventuellement utiliser une potion. Voilà, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, Sarko. Ah, ça c'était pas prévu. Mais ça empoisonne, non? Non, ça a une chance d'empoisonner, mais ça empoisonne pas à 100%. Allez, finis-moi ça. Ah oui, donc plus d'attaque que d'attaque spéciale, je confirme. Voilà, Sarko. Tu aurais pas envie d'up? Tu m'as cramé. Ah, le jeu. Oh! Tu m'as cramé. Le jeu de toi était pas mal en soi. Regardez-le, Sarko! Regardez-le! Regardez-le! Bon, c'est pareil parce qu'il grandit, mais. Votre Sarko évolue en crocodile. C'est pas génial? C'est génial. Enfin, c'est génial. On va le soigner avant que l'autre dresseur derrière se retourne. Ça sera embêtant. Hop. Et hop. À 54 HP, le crocodile. Et on n'a pas de. On a un total de soins, mais j'ai peut-être pas envie d'utiliser maintenant. Toi! Ah, c'est dégueulasse! Mais non! Ne dites pas ça, monsieur! Ne dites pas ça! Ne dites pas broncer vos balls comme ça! Voltorb, oh merde. Ah, les Pokémon électriques, c'est niveau 2. Niveau 2? Vraiment? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah non, s'ils sont niveau 2, il va être peut-être niveau 4, niveau 6. Niveau 6, ouais, bah, c'est toujours one shot, je pense, hein. Niveau 2, mais qu'est-ce que tu fais avec un. Ah oui, pas du tout. Charge. Ils n'ont même pas d'attaque électrique. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Qu'est-ce que c'est que ces caca? Niveau 2, il a même un niveau 2 en première place dans son équipe. Mais pourquoi? Quel moment est-ce qu'il dit que c'était une bonne idée? Ah, c'est un jongleur, c'est pour ça. C'est un jongleur. Bon bah on va envoyer peut-être ma Marine. Hein. Il faut que Marine XP un petit peu, il devrait être niveau 8 lui, niveau 10. Bah, je suis con, 2, 6, 10. Est-ce que Marine a un sort d'attaque tellement je ne l'ai pas utilisé? Oh l'hypnose. Oh l'hypnose Marine. Marine d'hypnose. Oh Marine d'hypnose. Et allez Grasspass! Vas-y il dort, tatane-le. Vas-y. Tant qu'il est au sol. Oh, ça va être long, mais on va le tataner au sol pendant qu'il dort. Si vous avez déjà rêvé de voir un soporifique battre à mort un Voltorb endormi au sol, eh ben c'est le moment, regardez, ça se passe maintenant. C'est long, c'est chiant. Oh, mais il dort, hein, il dort, il se réveille pas, il va être mis KO en dormant. Ah, c'est beaucoup trop drôle. Bon, en tout cas, ça me fait rire. Ah oui! Ah, vas-y Marine! Vas-y! Quel combat incroyable! Bon.
Bon, lui, par contre, il va être un peu plus haut niveau. Du coup, on va renvoyer, je pense. Ce qui est bien, c'est que tous nos Pokémon un peu haut niveau, mis à part muscles, ont des faiblesses. Peut-être envoyer Hortefeux, hein. Ça va être un combat électrique contre électrique. Il y a peu de chance, Hortefeux a pris les stats. J'ai plutôt regardé les stats. Oh, qu'est-ce qu'il est beau de dos! Ah bon? Ouf, ça c'était pas prévu. Tiens! Incroyable encore! Ah, le grincement a violé ma défense. Bon, ça va. Alors, continue! Bah, te grincer comme ça, qu'est-ce qui t'arrive? Le volant au sol qui se met à grincer sans arrêt. En PLS. Ah, ça commence à faire mal là par contre. Bah c'est relou. Bah c'est relou. Oui, quel bonnet sur un grincement quand t'as 5 HP. Vraiment un génie. Alors ça, mes balls, je les ai mal lancés. Incroyable. Extraordinaire. Oula, bah non, non, ça c'est ce que je pense. C'est ce que je pense devant, hein, monsieur. Quoi? Mais vous êtes pas censé m'attaquer, vous êtes un policier. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Mais non! Mais non, mais vous-en! Qu'est-ce que je vous ai fait? Non! Je voulais juste demander mon chemin! Encore une fois, voilà, c'est pas moi qui le dis, hein. Vous voyez? Vous le voyez? Clairement, la police de ce pays est corrompue. Je demande mon chemin à un policier, il m'agresse. Heureusement que Sarko est là pour passer le Karcher sur Kalidos et lutter contre la corruption. Là, c'est vous qui constatez, hein. Je ne fais que énoncer. Je ne change pas de Pokémon, par contre, il va falloir mettre une potion sur Sarko, sinon ça va être de fait compliqué. Ça fait belle lurette qu'on aurait dû utiliser le Total Soin, mais je suis stupide. Du coup, on va utiliser la super potion, parce qu'on s'en fout. Allez hop! Il mérite bien ça, Sarko. C'est le chef de. C'est le chef, c'est le chef. C'est. Hurlement. Ah, clairement, c'est pas le bon Pokémon, ça. C'est pas du tout le bon Pokémon. Sarko revient. Y'a Kalidos qui s'est rendu compte que Sarko pesait trop. Que Sarko pesait trop et que c'était impossible pour lui de le tomber. Allez, pistolet à eau encore. Bouillon un peu Scalinos. Mais qu'est-ce qui. Mais non! Mais c'est super chiant ce qui se passe là! Oh Marine! Oh Marine! Marine, tu vas me mettre des écrasse-masses dans tout ça! Ah, et c'est vrai que Morsure, c'est ténèbres. Bon, Marine, tu vas revenir en fait, hein. Toute l'équipe va qui se met sur Scandinos à coup des hurlements, ça va être infernal. Bon, Sarko, cette fois-ci, tu le termines. Il y a un petit pistolet à eau, voilà. Là, c'est bon. Enfin. Personne n'a XP du coup. Alors, j'ai envie de savoir ce que vous allez me dire, hein, comme explication pour ce comportement. Oui, mais je suis occupé. Mais non, mais. Mais sous, maman, mais sous, t'abuses. Ouais, vous êtes censé veiller justement sur les gens, au lieu de je sais pas, les agresser. C'est un petit peu nul, je trouve.
Sarko, tout va bien. Voilà, tout va bien, tout va bien. T'es guéri. Marine, t'as pris un peu cher aussi. Alors, je sais pas où est le prochain centre Pokémon, mais en haut, il me semble, je suis pas sûr, que c'est le parc des insectes. Alors, le parc des insectes, je vous ai dit au début que j'adorais cet endroit, et que c'est vraiment pas une bonne idée que j'y aille du coup. Sinon, je vais passer mon temps là-bas. Mais dans le doute, on va regarder. Toi, c'est quoi ici? Oh merde, c'est pas une insecte. Oh merde. Oh non! Mardi, jeudi et samedi. Ah, on est lundi, ça va. On est lundi, c'est. Enfin, on est lundi. Je suis lundi. L'épisode sort mardi, bien sûr, mais on est lundi. Donc, ça va. Ça va, je peux partir sans être malheureux. Enfin, si. Parce que j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé le faire. Mais je le ferai plus tard. Vous sentez un petit peu la détresse dans ma voix. Et je sais, je suis en retard. Il faut avancer. Pas regarder en arrière. Mettre des éclairs dans les mythos. Très important, mettre des éclairs dans les mythos. Pas de dégâts, mais c'est génial. Ça, eux ne font pas de dégâts non plus. Vas-y. Tu vas me griller cet insecte. Ah. Ça, c'est ennuyeux. Bon, tu vas me charger cet insecte. Ah bah c'est plus entraîné, dommage. Dommage car tu es KO. C'est le up d'Hortefeux niveau 17. What? C'est niveau 15? Alors ça va pas moi. Alors ça va pas du tout. Oh alors toi. Vas-y Sarko. Karcheruse-moi cet arbre. Et nous arrivons. J'ai pas la moindre idée d'où on est. Oh, je vois, c'est comme ça que ça marche. Zut! Ah, mais il a repop ce. Zut! Je suis stupide. Oh non! Je l'avais dit au début en plus. Je l'avais dit au début. Que je devais aller récupérer l'arrosoir. Oh là là, qu'est-ce que je suis bête. Bon, je pense qu'on peut totalement abandonner l'idée même de concours désormais. Bon, tant qu'on y est, on va en profiter pour passer au centre Pokémon après avoir utilisé tous nos soins et notre total soin sur Sarko. Oh là là, pff, quel échec. Ah mais non. Quel échec. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Alors, si je me souviens bien, c'est pas ici. Donc, c'est en haut, à droite. Ici. Là. 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 Là, j'en suis sûr. C'est là. Oui. 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 Merci. Merci. Ça, j'en souvenais de. Voilà. Oui. De ça. Je me casse. Je me casse. Je me casse. Je ne veux plus avoir rien à faire avec vous. Je me casse. L'Osamu, oui, mon petit. C'était trop. C'était trop. Je ne tolère plus. Ah, avant Simularbe, il se peut qu'on ne prenne pas dans l'équipe, mais. On m'a soufflé, on m'a soufflé. J'ai un super nom. Tu vas te casser, le sous-préfet, tu vas te casser. T'en fiche, tu te casses. J'ai pas envie de me battre avec toi. Tu dégages. Non mais, allez-vous-en, allez-vous-en. Je vais te faire des choses. Oh! Franchement, j'ai envie de remplacer Marine par Abra. Le problème, c'est qu'il va s'enfuir comme un gros sagouin. Du coup, on va tenter la Pokéball du Rapia comme ça, direct, qui ne passera jamais. Allez. Allez, un.
2, 3. Oui! Bon. En cet instant, l'aventure vient de se rajouter. Il y a 5 épisodes en plus. 5 épisodes en plus où on va monter à bras. Ça va être génial. Je sais pas quelles sont les données, je m'en fous. J'ai un Abra. C'est génial. C'est le meilleur Pokémon au monde. On est très content. Bon, ce sera qu'un Calabra, mais. Parce que je ne pourrais. Évidemment, je ne pourrais pas faire d'échange. Mais un Calabra, c'est génial. C'est trop bien. Ça fait tout. On est très content. Toi, Sarko est en premier. Non, mauvais bouton. Hortefeu est en premier. Hortefeu, t'es peut-être pas le Pokémon à mettre. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est très très rigolo. Ah ben, j'ai pas beaucoup de Pokéball. Bon, tant pis, on y va, on va le capturer. J'ai confiance. Donc, comme je disais, la bonne surprise d'arriver en face d'un arbre, de lancer de l'eau sur l'arbre, et de se rendre compte en combattant que l'arbre n'est non pas de type plante, mais de type roche. Alors, c'est vraiment une bonne surprise quand tu joues à Pokémon, quand voilà, t'es un enfant, tu connais pas trop, tu te dis bon, un arbre c'est type plante. Et là, le truc te fait des jets de pierre, il te fait des trucs. Voilà, c'est. Totalement. C'est du délire. Une génération ensanglantée. Bon, allez, ça passe, ça passe. Abra s'est passé, là il est un petit peu affaibli. J'espère que ça passe en vrai. Merde. Plus qu'une Pokéball. Marine ne va pas tenir jusqu'à pouvoir mettre un hypnose. Il faudrait que Sarko soit mis KO. Alors que ça. Sarko, tu le tues pas. Hein. Tu fais une griffe. Tu fais une frénésie. Frénésie, c'est faible. On s'est pas boosté. Ouais, je répète, une griffe peut-être. Vas-y, mets KO Sarko, tout est prévu. J'ai oublié de marcher les Pokéball, mais quel immonde. Homme stupide. Marine. Tu m'hypnoses ça. Comme t'as jamais hypnosé auparavant. Tu survis. Tu survis à un HP, mais tu survis. Oui. 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 Tout va bien. Tout va bien. Est-ce qu'on affaiblirait pas un petit peu? Allez, on tente. On tente d'affaiblir un petit peu avant de capturer. Oh merde, le coup critique qui fait 2 dégâts. Voilà, c'est bon, il est affaibli. Il est affaibli. Là, je sens qu'on est plutôt bien. Je pense que ça va, je pense que ça ira. Oui! JPP. Alors, JPP... Alors lui, je sais comment l'appeler. Alors lui, il est femelle. Non. Bon, je voulais l'appeler Jean-Marie Le Chêne. Enfin, Le Chêne. Simula. Bon, voilà, vous comprenez. Mais il est femelle, ça a tout cassé. Voilà, ensanglanté. Je m'en fous. Je pensais que c'était que ça disait où on allait, mais ça le dit pas. Je m'en fous. Non. Ouais, mais Sarko est KO du coup. Ouais, Sarko n'est pas celui à XP en fait. Mais Marine non plus. Hein. Marine. Il faudrait XP Benoît aussi. Hein. Allez, ramenez-vous là. Il va vous ramener chez vous, Hortefeu. Théa et moi sommes inséparables. Léa et Théa. Je cherche un jeu de mots, mais je le trouve pas. Oh, ça c'est. Notre ami Muscle qui serait content. Malheureusement, Hortefeu, il va pas être très efficace là. Oh, ça va. Oui, vas-y. Vas-y, mange de la colle. Vas-y.
C'est bon, ça passe tout seul. Ça passe tout seul, on exporte feu qui sera... Oh! Oh, je pensais que ça le tue pas. On exporte feu. Ah, oh, c'est fou. Oh, ce simularbe attrapé, mais vraiment. De justesse, dernière Pokéball. Marine qui a vraiment survécu, mais à 2 HP ou 3 HP de l'attaque. Oh là là, je... Oula. C'est dommage. Très bon métronome. Franchement, très bon métronome. Rien à dire. Mais étonnamment, ça a un seul PP, n'est-ce pas? Je suis extrêmement déçu de constater qu'il ne le relance pas. Car je trouve cette attaque vraiment... Ah, voilà. Ah, c'est génial cette attaque, c'est vraiment la meilleure attaque du jeu. C'est vraiment la meilleure attaque du jeu. Ça va, je suis un petit peu peur. Mais c'est clairement la meilleure attaque du jeu. J'attends toujours de me prendre un ultra laser avec... Et j'ai hâte d'ailleurs, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte de prendre le métronome ultra laser. T'es pas un gentil. Enfin non, je suis un véritable bâtard. Non, je vais pas faire ça. Non, je vais pas faire ça. T'es comment en vie hortefeu? T'es pas super bien en vie hortefeu, mais bon. Je suis trop lent, plus qu'une potion. Ok. Une fois qu'on arrive, on rachète aussi. Parce qu'on est bientôt arrivé. Ce célèbre panneau avec les astuces dessus. Alors lui, je souhaite vraiment tomber sur le ronflex avec ronflement. Le ronflex avec ronflement qui le violerait. Purement et simplement. Là, vraiment, de manière inattendue, je pense qu'on va se prendre un hypnose. Ah. Bien non. Qu'est-ce qu'on pourrait envoyer d'efficace? Vals, niveau 18. Tu vas me défoncer ce porifique. Non. Bon. Vals, tu vas te réveiller de suite, défoncer ce porifique. On a confiance en Vals. Vals, c'est pas quelqu'un qui dort, hein, c'est... Oh merde. Ah oui. Oh, il y a vraiment plein de jeux chez cet homme. Tu t'es fait dévorer ton rêve, réveille-toi. Heureusement que l'IA qui contrôle ce soporifique est stupide, parce que sinon, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Ah oui, quelle bonne idée. Ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Je pense que ce combat, clairement, aurait pu être compliqué si en face, l'IA n'aurait pas été stupide à souhait. J'aurais jamais dû envoyer mon argent à un moment. C'était une grosse erreur de ma part. On y est. Enfin, on y est. C'est bien là, c'est bien la reine. J'en profite pour vous dire d'apprécier cette petite musique. Oh non, pas lui. Oh non. Ah non, c'est Léo. Oh, j'ai cru que c'était cette crinière rousse. J'ai cru que c'était notre cher Aspadin. Ah, oh, mais on s'en fout, ça, on s'en fout. Oui, des échanges, oui, je suis sur l'émulateur, je m'en fous. Je peux faire d'échanges. Je mâche mon bouton A comme jamais. Je m'en fous. Oui, retourne-y. Alors lui, si on va... Je vais lui que si on va le voir, on a un Evoli. Mais qui veut d'un Evoli, quoi? Au bout d'un moment, qui veut d'un Evoli? Pas moi, certainement. C'est clairement tout ce qu'il me faut dans mon équipe. A voir si JXP Abra pour remplacer
pour remplacer Marine, mais je sais pas encore. En tout cas, je... Ouais, je ferai les achats après vous avoir dit au revoir. Vous sauvegardez maintenant et stoppez la vidéo maintenant. En tout cas, 3h19, oh là là, tellement retard. Alors si vous suivez aussi cette vidéo, je suis à la rue, hein, ne comparez pas, c'est la mort. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. C'était un épisode plutôt fort en suspense. Hein. J'avoue qu'il y a certains moments où j'ai senti le... quelque chose. Enfin bref. Non pas que l'épisode était chiant avant, mais voilà, vous me comprenez. Merci à vous d'avoir suivi. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Passez une bonne journée et au revoir.